Donc on est reparti, on est rentré en ville. Donc en route vers la ville. J'en ai 4 équipés, bandeau. Ça ne sert à rien. L'armure de Mitri, il m'en faut 3. Rébi furtif. Et une aube. Enfin l'opéra, je ne sais pas. Ne pas savoir exactement quand c'est. Mais ça viendra. Ah, ça c'est une bonne chose. D'accord, ça c'est des trucs pour Shadow qui n'est pas avec nous. Alors l'auberge est là. On va aller dans l'auberge. Tout le monde ment à Zozo, ne croyez pas un mot à ce qu'on vous dira là-bas. Je vais me reposer. C'est l'inflation, hein. C'est vraiment l'inflation du de la nuit d'hôtel. Je veux dire, à ce prix-là, il y a un jacuzzi dans la chambre. Non? Le marchand de reliques. De toute façon, j'ai plus des masses de... J'ai plus de sous, donc c'est réglé. Je dirais. À ce niveau-là, ouais, tu vas dans le jacuzzi et t'as le droit de faire pipi dedans, hein. À ce prix-là... L'actrice Maria de l'opéra est vraiment très belle. Payer si cher pour dormir dans une baignoire, ouais. Comme on dit. J'ai utilisé beaucoup de temps. Qui est-il ici? La maison de quelqu'un, on ne peut pas prononcer le nom. C'est-tu que tu ressembles beaucoup à Maria, hein? Tu ne vois pas de qui je parle, Maria, la célèbre actrice. On va prendre un peu d'éther, histoire de ne pas s'endormir sur nos lauriers. Merci public, merci. J'ai déjà vu ça quelque part, oui, moi aussi. Je crois que ça s'appelle un ultros. Qui va venir nous embêter de façon sporadique. Mais ouais, ça va être bientôt l'opéra, non? On va save. Je me suis stuff. Un autre point tout au sud, on va aller tout au sud.
Oh, j'ai un nouveau, niveau d'épée, j'ai le niveau 4. Je me demande ce qu'il fait ce niveau 4 d'épée. Oh non, non, pas les cailloux, pas les cailloux, pas les cailloux. Oh, c'est bon, on a gagné. Artan, le monde de niveau. Le terrain n'est pas encore ouvert. Ben, c'est pas encore l'heure de l'opéra. Par contre, c'est vrai qu'il faut, faut quand même faire une sacrée trotte pour aller à l'opéra dans ce coin. Regardons un petit peu ce qu'est ce niveau 4 d'épée. Et on va avoir plus d'épices. Ah mais c'est carrément Omni Slash. À ce niveau là c'est carrément Omni Slash, par contre c'est loin à chercher. Et j'ai drop une deck de mithril. Vous apprendrez que j'ai un gros problème dans les Final Fantasy, j'ai horreur de vendre mon stuff. Sashimi! Voilà, mise à mort du mob. Les épices, c'est un truc qui cherche dans l'univers de Dune. C'est un truc extrêmement précieux, je sais plus exactement ce que ça fait. J'avoue ne jamais avoir vu ni lu d'une. C'est bon, j'ai une bonne mémoire quand même. Et ça donne la pression. En fait, ça te permet de faire un tas IRL. C'est un truc qui te permet de faire un tas IRL, quoi. Cet endroit est peu accueillant. Un peu pareil, Willy. J'en ai juste entendu parler. Je me fais un petit peu parce que j'ai la voix qui fatigue, hein. Vous en faites pas, je ne vous oublie pas, c'est juste que... Après 8 heures, il y a un petit coup de mou quand même, même après une pause... Au moins ça indique qu'il est 30.
faire un petit peu de huile après. Je vais arrêter de voler et faire attaquer Roscal. Ça me semble une bonne idée. Comme continuer à heal, ça me semble aussi une bonne idée. Voilà, un petit peu de huile. Oui, Roscal a assez volé pour aujourd'hui, on est d'accord. C'est un peu étrange, mais j'aime beaucoup la musique. Niveau heal, je suis bien là. Niveau heal, ça me semble bien. Oui, et ça ne veut pas s'ouvrir. Désolé, Willou. Désolé, Willou. J'ai joué lentement. Ou trop vite, au choix. Pas l'aimer. Je pense que s'il lui frappe plus mal, c'est quand même au niveau 4. Ça fait quand même mal. Voilà, MV à level up. Alors c'est quoi l'heure que je dois régler? Thank you.
J'ai jamais résolu cette énigme. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Merde. La galère, Willou, la galère. T'as des câlins, Willou. Alors, si quelqu'un a la solution à l'énigme, je veux bien. Vraiment, je pense pas que je vais trop m'attarder pour la choper. Que les gens sont agressifs ici. Je n'ai pas d'aiguille des minutes. De toute façon, elle ne donne jamais la bonne heure. Donc il est 2h. Du coup, ce qui m'a indiqué, c'est l'aiguille des minutes. Et du coup, quand c'est 2, ça fait 10. Comment ça fail? Double Z. Y a pas de problème, ça arrive. Coup de boule. Je n'ai plus de potions. On va essayer de la résoudre cette énigme quand même. On est dans l'auberge. Ouais, MV se tape une sieste en fin combat, c'est inadmissible. Waouh! Bon, bah, j'ai réussi à résoudre l'énigme. Reçu tronçonneuse. J'admets, là, il y a eu de la moule, hein. Là, il y a totalement eu de la chatte.
Donc c'est 6, 10, 50. La réponse. Mince, c'est ça que je voulais faire. Alors. Ah ouais, là c'est totalement passé en run massacre à la 39%. Une fille, tu pourrais vouloir regarder au dernier étage de ce bâtiment. Oh, de toute façon, je ne suis pas encore allé ici. Ça s'est passé rapidement au moins. Ouais, c'est tellement pas accueillant comme ville. J'ai jamais été fan de la neige, genre on sait que dehors il fait quand même un temps de brun. Ça commence à être un petit peu chiant ces combats toutes les 10 secondes. Merci Lona pour cette précision. C'est vrai qu'il y a de ça, ou un centimètre a dû filmer moins. Hein. En fait, il faut ramasser tous les indices que donnent les gens et tout recouper en considérant que tout ce qu'ils disent est faux. Par exemple, vu qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que les minutes c'était le 30, je savais qu'il y avait une aiguille qui était sur le 6, mais je savais pas laquelle. Une 6h. Bon, on va piffer. J'ai piffé le nombre de secondes et ça a marché, hein. C'est aussi con que ça.
tellement efficace la tronçonneuse. Je suis content de l'avoir droppée, hein. Là pour le coup, je suis bien content d'avoir la tronçonneuse. Bon, ici c'est pas loin, hein. L'efficacité de la tronçonneuse, mesdames et messieurs. Une phalange de feu, je pense que c'est pour un autre perso. Ouais, mais je l'ai peut-être pas encore la perso. J'ai peut-être pas encore accès. Quelle affaire avez-vous ici en cette belle journée? Vous voulez passer? Comme les querelles ne résolvent rien, je vais vous laisser passer sur le chimie. Ça veut dire baston. Ah, j'aurais dû essayer de voler peut-être. Ah, j'aurais dû deux cases. Voilà, ça aurait été vite fait. Ok, Willou, à toutes. Bon bah le boss est passé, j'ai pu lui voler un truc, c'est parfait. Je peux demander de plus. Oui, j'ai obtenu un bandeau. Je vais faire Hatchoum. Gaïa? Gaïa? Je vous préviens, je vais éternuer. Elle a peur, tu sais. Oh, Papy Tonnerre! Qui es-tu? Es-tu un ami de cette jeune femme? Qu'est-ce qui ne va pas avec Gaïa? Il appelle Gaïa? Gaïa, pourquoi? À toute Willou! Sa vie n'est pas en danger. Elle n'a pas beaucoup utilisé ses pouvoirs auparavant. Et récemment, le surmenage l'a fatigué. Chantal Gaïa, joli. Je suis Ranu, l'espère, Ranu. Espère? Je croyais que les espères vivaient dans un autre monde. Ça ne signifie pas que nous ne pouvons pas vivre dans le vôtre. Les espères peuvent prendre beaucoup de formes. Certains d'entre eux ont une forme humaine et peuvent vivre en ce monde. Vous n'avez rien à craindre des espères. Pourquoi cachez-vous le fait que vous êtes des espères alors? L'humain et l'espère ne se combattent les uns les autres. Et ce n'est pas ce que ma grand-mère disait. Elle disait que les espères et les humains vivaient ensemble en paix il y a longtemps. Ce n'était qu'un conte de fées. Ce monde n'est pas un conte de fées. C'est vrai, les espères et les humains avaient été ensemble. Mais c'était avant la guerre occulte.
la guerre occulte. Elle a eu lieu il y a longtemps, la guerre occulte. Les espères combattirent les humains qui avaient volé les pouvoirs. Les espères Las Vegas, voilà, parfaitement ça colle. Les espères qui avaient survécu à cette terrible bataille craignaient pour leur... que leur pouvoir puisse être à nouveau recherché pour le mal et se façonner un nouveau royaume pour y vivre. Ce monde était le monde des espères. Je ferme un peu les yeux parce que j'ai très mal aux yeux. Alors, il y a 20 ans, les humains ont retrouvé... J'ai pas pu tout lire parce que j'ai... La chasse aux espères commença et Gastro avait besoin des pouvoirs des espères pour créer une armée invincible. Finalement, les espères expulsèrent les humains de leur monde et érigèrent un portail pour les maintenir en dehors. Faut que me faire du bien aux yeux. Bref, on est. En ce moment, même les espères pris par l'Empire sont vidés de leur pouvoir à l'Institut de Recherche Magitech Impériale. Je me suis enfui pour éviter de subir le même sort. Oui, du calme. J'ai senti l'errance de l'âme de Gaïa. Et je l'ai appelée ici. Elle a réagi ainsi à cause de l'appel de ma magie. Gaïa est un espère aussi. Non, elle a quelque chose de différent. On dirait que Gaïa souffre. La simple vérité sur son existence lui inspire une terreur sans fin. Elle ne peut la maîtriser. Y a-t-il un moyen de l'aider? Quand assez de temps aura passé, il devra se remettre du choc et reprendre sa forme humaine. Que pouvons-nous faire? Vous devriez pouvoir sauver Gaïa si vous libérez les espères qui sont maintenus captifs à l'Institut de Recherche Magitech Impériale, les Gastro. Si nous allons à l'Institut Magitech, nous pourrons sauver notre ami. L'Institut de Recherche Magitech, là-bas. Il n'y a que moi qui ai pu m'enfuir vivant de l'Institut. Les autres ne tiendront pas longtemps. De quoi parles-tu? Les méthodes de Gastro sont incorrectes. On ne peut pas pouvant extraire le pouvoir des espères avec de l'énergie seule. Le pouvoir d'un espère ne peuvent être vraiment espérés que quand nos corps sont réduits à l'état de magicite. Des QA? Quand nous, les espères, nous changeons en magicite, nos pouvoirs peuvent être correctement transférés. La magicite, mais c'est quoi ce machin? Quand un espère meurt, son esprit est piégé dans ses restes cristallins et forme de petites pierres nommées magicites. Ce sont mes camarades qui sont morts en essayant de fuir l'Empire. Je vais également vous confier mes pouvoirs. Voilà, en gros, ils font de l'huile essentielle de trucs divins. C'est super sympa. Vieil homme, es-tu vraiment mort? Magicite. Il a fait don de sa vie uniquement pour nous donner ses pouvoirs. Pourquoi es-tu? Notre sacrifice peut servir à sauver de nombreuses vies. Nous comptons sur vous. La guerre occulte ne doit pas être répétée. On a reçu Rému. Kaisich. Sirène.
et Krilin. Non pas Krilin, c'est pas pareil, il y en a un qui est pas chauve. J'ai totalement envie de lui donner Kylan d'ailleurs. Plus ça donne des sorts de soins, c'est. Ouais, mais il a déjà un sort de soins. Donc... Plus Ramu du coup. Oh, sirène, elle est sirène. Du coup, lui Kylan. Et Totola, Ramu. Ça me semble bien. Gaïa, attends ici, nous reviendrons t'aider. J'ai pas envie de changer d'équipe. J'ai pas envie de changer d'équipe, je l'aime bien mon équipe. Ah oui, là pour l'instant ils ont rien. Pour l'instant ils ont rien de ce côté-là. Donc là on gagne de l'expérience de magicite pour augmenter nos pouvoirs magiques. J'aime beaucoup la façon dont les espèces sont gérées en tout cas. Ça m'a l'air vachement sympa comme façon de faire. Avant de s'entourer que j'ai plus de MP avec Mia. Ressortir de cette ville. Et là, je crois que de toute façon, on s'approche dans le changement de l'opéra. Et Relona!
Ah, ça me permet de descendre, ça c'est bien. Bah tu sais quoi, Lona, je te conseillerais de prendre les deux. Honnêtement, je te conseille de prendre les deux. Parce que des fois, choisir, c'est surfait. Quoi, tu commences déjà à être fatigué comme ça. Après seulement 8 heures, je me demande que ça va être demain. Je me demande dans quel état je vais finir. De toute façon, je pense que je vais avoir un léger coup de barre jusqu'à minuit, puis généralement après midi ça repart. Hein. Enfin, après minuit ça repart un petit peu, ça redécolle un peu. Ça me semble logique. Et bim, voilà. Quel état proche de l'Ohio, c'est bien ce qu'on se demande des fois. Hein. Oh mon dieu, Jean-Sébastien back attack. Petite save, ça fait jamais de mal. Mais niveau 16, mine de rien, ça avance. Donc c'est maintenant l'opéra. Je pense, hein. Ça me semblerait cohérent. Je ne chanterai pas l'opéra. Hein. Tu rentreras pas à un grand. Je ne sais pas, je ne l'aurais pas demandé, je t'avouerai quoi, Loon. C'est vrai que je me tais un petit peu parce que, comme j'ai déjà dit, comme je dis beaucoup, je fatigue. Au pire, tu fais des insultes pour l'opéra. Ok, bon repos et bonne douche. Thank you.
Alors, si on fait ça et y a un truc qui me va pas, c'est que je vais finir à pas d'heure demain et que je vais être plus que mort en fait. Ah, c'est pas encore l'heure. Non, mais laissez-moi partir. De toute façon, là, je dois trouver ce que je dois faire. Et Reazels, bien reviendu à toi. Je dois peut-être aller ici. Alors si quelqu'un veut bien me guider, parce que je suis un petit peu... S'il te plaît. Si quelqu'un veut bien m'assister dans ma pommitude. Ouais, mais là pour l'instant on me dit que l'opéra est fermé en fait. Autrement j'ai cherché une solution quoi. Ah mais j'en prendrai un pour sortir de ville. Ouais, je me sers pas des ranchs. Non, mais jamais du chocobo, t'en fais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir où je suis.
Je vais aller voir ce que je dois faire. Ah d'accord. Ah je crois que j'ai compris. Non, on va prendre un chocobo là. J'ai compris, c'est moi. Voilà, regarde un chocobo. Faut que je retourne à Zozo en fait. J'aurais dû parler aux autres persos de l'équipe qui étaient arrivés. Ça va tellement plus vite en chocobo. On va dire que ça va faire du farming supplémentaire. On va dire que c'était pour le farming, hein. On va faire une excuse quelconque. C'est vrai, bon. À tout à l'heure, Willou. Mais ça, je mets pas trop. Surtout, faites-vous plaisir à être ici, hein. Ça va tellement vite. Faut pas vous en faire, hein. Dès que j'aurai à nouveau de l'énergie, je remettrai de l'animation. Ça m'embête un petit peu, mais c'est aussi une question de performance et d'endurance.
Il ira mieux dans quelques heures. D'autant que le coup de barre soit passé. Normalement. C'est le gros problème des lives longs comme ça, c'est qu'il y a toujours un moment où il y a la fatigue, quoi. Il y a toujours une phase de fatigue et de je suis épuisé. Tétard, il croyait qu'il était tôt, alors qu'il était tard. Merci Azels. Merci Azels. Je sais pas ce qu'on pourrait sans toi en fait. Moi bon, c'est pas que c'est des phases de jeu chiantes, c'est que de toute façon c'est un jeu où voilà, il y a des phases un peu plus calmes. Mince, je savais ce que je voulais. C'est vraiment violent la tronçonneuse. Mon dieu, mais MV, tu es blessé. Il va quand même falloir soigner MV là. Bienvenue à toi! Tout le monde est là, je pensais. Artan, nous pouvons discuter de notre plan sur le chemin du retour. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de faire. L'Empire extrait des pouvoirs magiques des espères. C'est vrai. Nia. J'étais endormi quand ils m'ont infusé mes pouvoirs magiques. Alors je me souviens pas bien. Par contre, j'ai entendu des rumeurs à ce sujet. Alors nous devons nous introduire dans l'Empire. Il serait sage de nous diviser en deux groupes. Nous avons encore besoin d'assurer nos défenses. En effet. J'irai dans l'Empire, j'ai une bonne connaissance interne. Mais toute seule? Ça t'inquiète tant, bah, je vais y aller aussi. Roscal. Peut-être que je pourrais être utile également. Goûtez, j'ai gardé précisément la même équipe, hein. Ça me semble intelligent. Attendez-nous un arche, nous reviendrons une fois que nous aurons infiltré l'Empire. Si tu veux changer les membres du groupe, va à l'arche. Bon d'accord, l'Empire est sur le continent austral. Mais les bateaux n'y vont plus, ça risque d'être difficile. Les aristocrates de Gilor au sud. Vous devrez pouvoir nous donner des tuyaux, essayons de leur demander. Pascal. Pourquoi veux-tu venir avec moi? Eh bien, j'ai mes raisons. Je jetais un coup d'œil à l'Empire par moi-même. Ouais, tu es des magiciens, veux-tu que je t'explique le site? Non. Non, c'est bon, j'ai compris. Mini en premier, c'est important pour moi, vous en foutez peut-être un peu, mais pour moi c'est important. C'est certainement important uniquement pour moi, mais bon, on s'en fout.
Voilà. Bon, on va retourner dans le patelin bizarre. Bon, ça va, caillou a raté, c'est déjà ça. Parce que quand ils font caillou, ça fait mal. Ça fait mal avec un gros hashtag devant. Hein. On va déjà aller voir le gros château. Vous en pensez quoi? Maria! C'est moi qui parle. Désolé, je t'ai prise pour quelqu'un d'autre. Tu ressembles vraiment à ma meneuse de troupe. Voilà. Ah, nom d'une pipe. Mia ressemble à Maria. Chose. C'est le directeur de l'opéra, mais tout le monde l'appelle impresario. Il est complètement affolé depuis que cette affaire est arrivée. Ma très chère Maria, bientôt je te prendrai pour épouse, le vagabond par ailleurs. Mais qui c'est lui? Hein, tu ne sais pas? Libre des charmes de la justice, un homme sillonne le ciel sur Blackjack. Libéré du monde d'en bas, un parieur sans scrupules. Quel est son nom? Je vous le demande! Donc, on va passer sur Hitbox. La dernière fois, c'était sur Hitbox que j'ai pris un gagnant, donc là, je vais passer sur Twitch. Kimou, c'est à toi! Kimou, c'est à toi de nommer ce personnage. Faut lui donner un nom. Alka. C'est Alka, le capitaine du seul et unique aéronef. Alka, cette sœur. Pas compris. Si nous pouvons obtenir son aide, nous pourrions atteindre l'Empire par les airs avec son aéronef. Organisons une rencontre avec ce Alka. D'accord, c'est de l'esprit. Merci, je n'étais pas au courant. J'avoue, j'étais pas au courant. On va prendre un chocobo, ça fait pas de mal. Prénommer. J'ai lu la lettre. Alka vient ici pour l'enlever. Il va sûrement arriver juste à la fin du premier acte. Il aime faire des entrées retentissantes. Bien, si on peut le choper à ce moment. Un
Possible, si nous gâchons la présentation, l'opéra sera fichu. Ah, misère. Je suis rongé dans les sangs toute la journée à cause de ça. Je veux que le spectacle soit un succès, mais je ne veux pas que Maria soit enlevée. Lui, on va le laisser l'enlever. On va utiliser un appât. Elka va enlever une fausse actrice à sa place. Et alors, on pourra tous s'introduire son aéronef. Folie, folie! Si quelque chose devait arriver à Maria. Donc d'où l'appât, il suffit de cacher Maria en lieu sûr. Hein? N'as-tu pas dit qu'elle ressemble à Maria? Hein, moi? Nia sera notre Maria et on fera donc enlever sur l'aéronef. Excellente idée! Mais vous êtes cinglé! Attendez, là, je suis général de l'Empire, je peux pas prendre la place de quelqu'un d'autre, ça n'a aucun sens! Passer pour Alka et je vais essayer de me venger de ce qu'ils m'ont fait. On doit se préparer, Nia doit avoir l'air d'une actrice célèbre aussi. Allez, lisez-la. C'est l'opéra. C'est ici l'opéra. C'est ici l'opéra. Attendez. Attends. Est-ce que quelqu'un peut tweeter que c'est l'opéra, s'il vous plaît? Parce que moi, je peux pas trop, je dois faire l'opéra. Non, non, je vais tweeter que c'est l'opéra. Voilà, c'est bon. Les guerriers, Draco, héros de l'armée de l'Ouest, pensent à son amour qu'il a laissé en arrière. La belle Maria. Ouais, c'est pas classe le terme que j'ai utilisé. C'est déjà l'opéra, et oui! Bah, tu trouves que je suis allé vite, en fait, MTV? Je sais pas, c'est quand même, 10, c'est quand même 9h, hein. Trop de scène bizarre, on a fait 6. Ouais, mais c'est cool! Je vous ai pas chanté, donc m'en voulez pas! Je ne ferai pas tout le long parce que voilà. Et Reléa. Surtout si en plus je dis bonjour à tout le monde. Je prendrai la prochaine phrase. Ou pas en fait. En plus je connais pas du tout la chanson donc ce sera horrible si je chante. Non vraiment. Non. En même temps, j'ai quand même essayé, mais voilà, je ne promets rien. Quand même du perso bien cinglé, on est d'accord. Je vais dans les loges. Si tout va bien. Vas-y.
Quelque part, cher, je vais rester ici pour regarder paisiblement. Tout le monde lui a fait peur. C'est dangereux par là, je ne peux vous laisser passer. Chantons pour mener la force, d'accord, je vais essayer. Mais non. Non. Où est ton rouge, Yuffie? Oh là là, tu es ravissant, t'habiller comme ça. Pourquoi m'as-tu aidé l'autre fois? J'ai perdu quelqu'un qui m'était cher quand je n'avais pas été là pour la protéger. Je suis désolé. Tu te rattrapais un peu en me sauvant moi? Ce ruban te va ravir. Je vais bientôt le voir entrer sur scène. Maria qui est inquiète pour Draco, chante ses pensées au monde. C'est une scène importante. Pourquoi ne pas revoir tes textes une dernière fois? Regarde les paroles. Acte 1. Mon amour, mon doux aimé, m'as-tu délaissé? Mais pourtant, jurez-moi un amour qui jamais n'aurait de fin. Au travers de ces tristes moments, au travers des durs moments, à toi, mon étoile, je repense avec une infinie ferveur. Pourquoi devrais-je te prêter mes voeux à un homme que je n'aime point? Devrais-je? Je me languis tant. Donne-moi ta réponse. Là, prends des fleurs, va tout en haut du balcon, jette les fleurs à l'étoilée. Je te conseille de te dépêcher. Il n'y a qu'un bref interlude avant que l'acte 2 ne commence. D'accord, ça me... Je suis stressé du coup. Les forces de l'armée de l'Ouest ont été mises en déroute et l'armée de l'Est a pris le contrôle du château de Maria. Le destin est destiné à être marié de force au prince Lars de l'Est. J'ai pas eu le temps de lire! Attends, mais non, attends, ouais, je suis pas dans le ton, je vais même pas essayer. Non, je ne le ferai pas. Je dirai des conneries par-dessus, hein, pour bien marquer le fait que je ne le fais pas, parce que j'en suis pas capable. Mais voilà, c'est... Non, j'en suis vraiment pas capable. Bon, la musique elle est trop belle en fait pour jouer de ma gueule. À toute, code. Juste laisser la chanson passer comme ça. Je n'ai pas le talent de quiconque pourrait chanter ça. Je n'ai aucun talent musical. Donc en fait, non. Juste vous laisser profiter, mais en disant des conneries. Voilà, c'est un peu stressant. Mon dieu, mais. Une armure qui brille comme ça, elle est radioactive. Mais pas.
Pardon, j'ai pas compris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Putain, on doit tout refaire. Je sens que je vais en chier. Je sens que je vais en chier pour cet opéra. Non mais c'est rien, j'ai fail. Tu prends les fleurs, tu vas au haut du balcon, tu jettes les fleurs et le ciel étoilé. Bon, faut que j'aille vite avec les fleurs en fait. Ça va être stressant. Mais ça me stresse! Ça me stresse! Ça me stresse beaucoup! Ce passage me stresse, j'ai peur de le fail à l'infini plus 240 pendant 10 minutes, pendant 20 ans, tu vois. J'essaie de me concentrer pour réussir à faire quelque chose, quoi. Pour être bien. Et merde! J'ai pas pris le bon texte! Et merde, j'ai fail! Double fail! Multi-fail! Infinite fail! Plus que deux essais! Mon dieu, mais jamais j'y arriverai! Jamais j'y arriverai! J'y arriverai jamais! Au secours, aidez-moi! C'est bon, je connais le truc en gros, vaguement, de près. Mais bon, ça me stresse cette affaire. Aidez-moi, encouragez-moi, faites quelque chose, mais c'est pas sale! J'en vais fail, au secours! Fail Kinava.
Là, c'est Toto et l'armure radioactive. C'est où? Non, mais laissez-moi prendre ça. Ah putain, j'étais presque! Et juste parce que j'ai pas réussi à prendre l'escalier. C'est pas ma faute. On y était presque! Je suis deg! J'ai juste raté l'escalier quoi, et puis franchement, c'était trompeur. Je pensais qu'il fallait que je redescende moi. Je pensais pas qu'il fallait que je monte. Voilà, c'est bon. C'est bon, bordel. Enfin, cette fois, c'est la bonne, hein. Il y en a marre de l'opéra. Il y en a marre. Il y en a marre! Merde, c'est la fatigue quoi! Ça fait 10 heures! Faut s'excuser de la fatigue. Vu que je suis incapable d'aligner ma manette, d'aligner 3 boutons sur ma manette sans me planter, hein! C'est juste ça! Mais c'est pour faire du suspense en fait, ce que vous savez pas, c'est pour faire du suspense, c'est pour qu'il y ait du suspense, c'est tout, que vous sachiez pas si je vais réussir à finir. Cette fois, on sait pas avoir, et puis ça va être la bonne. Dis-moi que là c'est bon. Ouais, c'est bon. Dis-moi qu'il n'y a pas d'autres pièges. Aïe, putain, qui c'est qui a mis du plomb dans le bouquet? Enfin, j'imagine le technicien qui s'est pris le bouquet dans la gueule en fait. Non, c'est... faut pas. Si, il faut. Hein. Mmh.
Bon, les paroles de MV sont plus bizarres que ça. Hein. Bien joué, Mia. Je vais saborder votre opéra pour ce que vous m'avez fait, Ultros. C'est mauvais. J'aurais bien d'en informer l'impresario. Tu es? Les survivants de l'armée de l'Ouest attaquent. Tu vas? À l'attaque! Attendez! Comment se prépare-t-il à interrompre la présentation avec ça? Mouais! Je viens tomber ce poids sur la tête de Maria! C'est un poids de 4 tonnes! Mais tu te prends pour Laura Ultros! Sérieux? Borg! Ce truc est plus lourd qu'il n'en a l'air! Hein. Il faut avoir 5 bonnes minutes pour rassembler assez de force pour le pousser! On n'a pas le temps de finasser! Ah, ça non! Parle à l'homme derrière la porte de droite. Vite. C'est la phase dite du compte à rebours. Sérieux là, c'est en plus un... Est-ce qu'il est méchant? De l'autre côté maintenant. Merde, Vera. J'espère que ça les tuera vite. Malheureusement. Il est tellement dans le caca là. Il est comme ça.
Mon dieu, mais je vais finir ce combat. C'est adoré, on font venir d'autres. Putain, encore un rat. Et une pinceur de rat. Jamais s'en sortir. Malédiction. Oh non, tout le monde tombe. Mais que se passe-t-il ? Non, si les deux héros sont assommés, le spectacle ne peut pas continuer. Qui va gagner la princesse ? C'est l'heure d'improviser ! Ni Draco, ni Lars, ni vous seront ni là. C'est moi, Roska, le plus grand aventurier du monde. C'est le jeu le plus épouvantable que j'ai jamais vu. Silence, tu es en présence d'un poulpe royal. Tu ne pourras pas me vaincre cette fois. C'est moi qui te vaincrai. Autant s'il y a ce qu'on en peut. Musique. Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est l'apocalypse! Oh, c'est n'importe quoi! Vous avez changé, je vous ai manqué! Oh mon dieu! Vous avez envoyé la tronçonneuse! Elle est géniale! Elle est géniale! Un petit peu de régène sur tout le monde, ça fait pas mal. Ah, j'ai raté mon coup de tronçonneuse. On va voir si je peux. Oh mon dieu, il a tué. Il a tué MV! Vite, la tronçonneuse! Une queue de phénix sur MV, vite! Tronçonneuse! Quelle sale journée! Adios! Il s'est barré! Ah, c'est possible! Oh, un instant! Oh, quel spectacle! C'est le cas! Je suis venu prendre Maria comme promis! Ah! Quel retournement de situation, Anne! Elle a enlevé la nouvelle épouse de Roscal, Maria! Quel sort lui réserve-t-il? Quel sort lui réserve encore le destin? Restez en place pour la deuxième partie pour le découvrir! On se rippe, hein, le mec. Ça, c'est de l'impro. Mon dieu. Mon dieu, quelle scène particulière.
Je t'exprimerai tout mon amour tranquillement plus tard. Espèce de pervers. Espèce de pervers psychotique. Espèce de fou furieux cinglé. Mais super creepy, ça c'est clair! Tu es une grande actrice, Nia! Cesse de m'embêter. Nous pourrions avoir une nouvelle représentation devant un public. Peut-être qu'on devrait faire un deuxième acte. Où est Elka? Il arrive. Qui es-tu? Tu n'es pas Maria! Écoute, Elka, nous devons aller voir Vector. Nous devons aller à Vector et nous avons besoin de ton aéronef pour ça. Tes affaires ne m'intéressent pas si tu n'es pas Maria. Attends. J'ai entendu dire que ton vaisseau est le meilleur du monde. Et tu es le meilleur parieur du monde. Je suis le roi de Figaro, je te récompenserai grassement si tu coopères avec nous. Je suis un guerrier de dommages, je suis ici aussi. Je sollicite aussi votre soutien, monsieur. Autre si. C'est quoi ce mot, ça, autre si? Viens ici. Oui. Ne me prends pas là-dessus, je ne suis pas encore décidé à vous aider. Il faut que je remercie l'Empire pour ma richesse. Ne cesse de ne penser qu'à toi. De nombreuses villes et villages ont été détruits par l'Empire. L'Empire abuse de la magie et essaye de conquérir le monde par la force. Mon royaume était aussi allié à l'Empire récemment, mais notre alliance a été dissoute. J'ai perdu ma famille et mes amis par leur faute. L'Empire. Nous détestons tous l'Empire pour nos propres raisons, c'est pourquoi... Je te vois sous un nouveau jour maintenant. Tu es encore plus belle que Maria. Nyeh. Il est creepy ce mec. J'ai décidé. Si tu veux, je veux que Mia devienne ma femme. Et si oui, je vous donnerai un coup de main. Ce sont là mes conditions. T'es un putain de psychopathe. Très bien. Alors c'est dit. Putain de psychopathe! Mais j'ai mes propres conditions. Nous décidons cela, pile ou face. Si c'est face, tu nous aides en échange de rien. Si c'est pile, je serai ta femme. On veut tester sa chance, monsieur. Excellent, j'accepte ton défi. Ça va pas, non? Mia, si tu devais devenir sa femme, un tel moyen de décision peut-être vraiment valoir le risque très cher. Prêt? On dirait que j'ai gagné. Maintenant aide-nous comme promis. C'est incroyable ce qu'on peut trouver dans les jeux vidéo. C'est intéressant. Une pièce dans les deux côtés, sont face. Je crois que tu as été battu sur ton propre terrain, monsieur le parieur. C'est vrai qu'à aucun moment on lui a dit que son truc était équilibré. Bien, ma vie est un grain de sable sur ta plage à présent. C'est clair, non, mais c'est des psychopathes les gens dans ce FF. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Cet aéronef se déplace réellement vite pour quelque chose d'aussi imposant. Mais risque-t-il pas de s'écraser? On ne peut rien y faire. Quand les choses tombent, elles tombent. Reste en l'air, c'est tout. C'est toujours une question de destin, un pari avec sa vie. Je pense que c'est un peu voulu que les personnages soient jusqu'au boutiste.
C'est un peu trop voyant de voler au-dessus de l'espace aérien de l'Empire avec cette chose, mais il vaut mieux atterrir quelque part. À distance de la capitale pour ne pas être repéré. Comme il vous plaira. Je vous attendrai à bord de l'aéronef. Soyez prêt à descendre quand vous en serez informé. Autant demander de sortir, on pourra faire une save. C'est la ville portuaire d'Albourg. Cette ville est occupée par l'Empire. Il y a une rumeur qui court, comme quoi quelque chose de très précieux est à l'est de ce continent, mais l'Empire y a construit un poste de surveillance et personne ne peut le dépasser. Tant que nous ne graissons pas les pattes des soldats impériaux, nous ne pouvons vendre aucune marchandise dans cette ville. Pose-toi à nous et affronte notre colère. C'est ce qu'on fait, t'en fais pas. Oh, désolé, Willou, plein de câlins. Ce mari est devenu le point préféré des soldats impériaux. Malédiction, les soldats impériaux ont réquisitionné mon bar. Encore un élixir, hein, toujours. Toujours un élixir dans les horloges. Ça peut être bien. Oh, je vais rester comme ça. J'ai la flemme de faire autrement. Je suis un savant spécialiste des propriétés magiques. Les monstres qu'il y a sur son continent ont très peu de pouvoir. Allez hop, on va dormir. Ça coûte toujours moins cher qu'une tente. Savant spécialiste des armes, il y a 1000 ans pendant la guerre occulte, il semble qu'il fut fait 2 armes ultimes. L'une d'elles était une épée qui changeait l'esprit de son porteur en arme, et l'autre était une arme vivante élevée pour la destruction massive, en utilisant la magie. Bah, c'est déjà ça, Willou! Thank you.
À toute, Willou. Tu trouveras du matériel bien meilleur en rayon que dans les magasins de... dans les magasins de Tsen et ma ronda à l'ouest. Par contre, arrête de te mettre devant les portes. Arrête de te mettre devant les portes! Hein? Bordel de cul! J'avais pas déjà mis une aube. On va avoir les équipements de tout le monde. Ah, elle avait été déséquipée de tout. Ça explique bien des choses. L'empereur Gastro lui-même s'est approché de moi en me demandant de lui faire le portrait, mais comment devrais-je faire pour le peindre? Avec un pinceau et de la peinture, non? Je sais pas, ça me semble... Où il y avait un piège dans la question, c'est ça? L'entrée du port est interdite. On peut repartir. Je vais m'habiller dans la ville à l'est. Et voilà. On va aller à l'est par là. On est dans la base impériale. Ouais, si je parle avec quelqu'un, je me fais attaquer comme ça, cash. Ils sont cool les gens ici. Ah, ils sont super sympas et tout. Très chaleureux, très accueillants. Et en plus ils ont de la défense. Hein. Défense, re-Willou. D'accord, donc faut... Allons-y tranquillement. Il n'a pas la clé. J'imagine, mais en même temps, ça devait être bon.
Ah merde. Je peux même pas les croiser quoi. Si quelqu'un a une idée de là où je dois aller, je veux bien. Je veux bien une info sur là où je dois aller. Si vous en avez. Non, toujours pas ça. Bon, je leur dis si quelqu'un a une idée, je prends. Parce que là je sèche. Une idée pizza. Merci Kwadoum, c'était pas tout à fait le type d'idée que je recherchais, mais bon. Ouais, je pense que c'est le terme, idée fixe. Et on parle pas du petit chien, on est d'accord. D'accord, c'est juste pas le bon côté. C'est juste pas là que je dois aller. Ah, c'est une bonne idée. On se rejoint tous quelque part pour bouffer une pizza, dites.
Tazeus me dit de commencer par aller tout au nord. On va aller tout au nord. Ah, le 11 décembre, carrément. On s'est dit qu'on serait de la pizza de toute façon. À Austin Fest aussi, on sera de la pizza. De toute façon, tout est l'occasion de se faire de la pizza. On va aller là. Mais cette fois, on fera nous-mêmes les cuisines. Ça me semble une bonne idée. Faut encore que je trouve comment je vais aller au Stunfest et comment je vais dormir au Stunfest. Après, faire de la pâte à pizza maison, c'est pas très très dur, hein. Commençons par la ville au nord. Demande à un holo, Willou te donnera un holo si tu le demandes. Enfin, Willou, Koalou, ou quiconque avec une épée. On est à Vector, la capitale de l'Empire. Ah, c'est super simple à faire, la pâte à pizza maison. Et oui, on peut les aromatiser. Le docteur Sid de l'Institut de Recherche Magitech est un génie. Il a donné à mon fils la capacité d'utiliser la magie soin. Je sais pas si c'est un génie ou un fou en fait. Ouais, je suis déjà équipé en fait. J'ai déjà pris le sol qui traînait là. Que étant dans l'Empire, j'ai pas intérêt à répondre non, quoi. Une intuition. Je suis un allié de la Résistance. Vous nous entendez parler ici. Je vais distraire les soldats, comme ça vous pourrez sauter sur cette tour d'acier une fois que vous serez monté sur ces caisses. Vous pourrez alors vous introduire dans l'Institut. Je suis malade. Partez d'ici. On a dépassé les 10 heures de live. Le jeu est figé. Est-ce que le jeu... Pourquoi je ne puis-je plus rien faire? Ne me dis pas que la Rome est corrompue. Expliquez-moi. J'appuie sur tous les boutons et je peux rien faire. C'est quoi ce délire?
Ouais, c'est... Hé, là! Ah, ça s'est débloqué! Non, je sauvegarde régulièrement, Yari, je te rappelle, mais c'est... Je te rassure. Non, c'est juste que c'était anormalement long. J'ai eu peur. Je vous assure, j'ai eu peur. Monsieur Plush is back! C'est déjà ça! Ça commence à être long les combats quand même. Il y a bientôt ce point 2, donc on va le laisser finir la prendre ce point 2. Et voilà, on va faire ça. Bon épilage, Qualoon! Bon courage pour l'épilage! Avec l'épilation, c'est le moins folichon de l'univers. Trouvons donc cette usine de Magitech. On est d'accord, mais je pense que toute personne qui s'épile est d'accord sur la chiantitude du truc. Ah, les aisselles, c'est le pire. Mais les aisselles, je les épile même pas, je les rase. Tellement ça me fait chier. Langue de flamme.
Ah, les cuisses. Moi, c'est le haut des cuisses. Ça fait trop mal, le haut des cuisses. Mais oui, c'est l'instant épilation de la run. Tu m'étonnes que le nez c'est pas fun. Une question du Iris, c'est qu'il est désagréable. Sexy time, totalement. Bordel d'endive, mais c'est où que je dois aller? Il va falloir que je fasse un petit peu de heal quand même. Bah non, les poils une fois qu'ils sont là, c'est trop tard en fait. Le seul truc c'est le laser, sauf que le laser ça coûte cher. Et ça c'est assez insupportable. Ah, si j'avais les moyens, je me ferais des jambes au laser, mais t'imagines même pas avec quelle force. Ouais. De toute façon, je me ferais tout le corps au laser sauf les cheveux si j'ai les moyens. Enfin, sauf les cheveux, ouais. Donc des poils qui sont bien quoi. Non, les boobs c'est cool. Les boobs c'est bien. Les boobs c'est une bonne chose. Ah putain, j'ai pas tout fait que faire ça. Non, les boobs c'est bien, c'est tout. C'est une certitude, les boobs c'est cool. Je pense, oui. Enfin, moi ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui pensent que les femmes cis sont imberbes de base. Ah, ça dépend, hein. Mais comment j'ai fait, Non mais j'ai une théorie sur les boobs, disons tout ça.
Ah mince, je me suis fait eu. Des bisouazels, merci d'être passé. Mais surtout que j'ai une théorie sur les boules, quoi, c'est... Je sens l'endroit bien labyrinthien. Ça ne m'étonnerait point qu'il y ait des coffres cachés un peu partout. Pourquoi je fais ça sur un seul perso? Bonne course, Kiri, et à tout à l'heure! Il est pas là. Voilà, ça dépend de la biologie de chacune. Et j'avoue être relativement peu chanceuse sur ce point de vue. Au niveau des poils, je suis relativement peu chanceuse. On décale un Willou. Et coucou Alicia, comment ça va? Bienvenue! Bienvenue sur ce live! Depuis déjà 10 heures mine de rien. Je pense qu'après le bonjour je ferai une pause qui me servira pour aller miamer, pour me reposer les yeux, une pause un peu plus longue que les autres. Et la fameuse pause des 10 heures. Lame de foudre. Ça, ça semble le truc qui est cool. Ah bah. C'est bien, au moins tu t'es reposé, enfin j'espère. J'espère que c'est pas un tu te lèves en étant toute crevée, etc. Ça serait cool. Merde, c'est ça que je voulais faire. Oh, saleté de diagonale. C'est vrai que la dernière fois tu n'étais pas passé sur FF7, bon en même temps c'est pas très grave hein. C'est pas une obligation non plus de passer. Je veux dire que j'ai un petit peu la flemme d'aller faire tous les coffres. Faut pas, c'est bête de s'en vouloir pour ça, chacun fait ce qu'il veut, t'es pas obligé de passer parce que je suis allé pour le prix d'or, c'est pas... Merde, j'avais rebalancé un soin alors qu'il n'y en avait pas besoin. J'ai un peu du caca là. On a habité en même temps que ça, du caca. Et après 10 heures, je pense que ça se comprend un peu. Non, ça c'est pas cool par contre.
voir le bon côté, ça farm l'XP. Des bottes de dragon. Je me demande ce que c'est que ce machin. J'ai balancé 2 sur 2 points, ça me semble pas con. J'ai magie noire. Voilà, j'ai éclair en magie noire, ça va être bien.